Bon, bah dans cette vidéo, je vais vous présenter mes petits achats parisiens. Il y a deux choses. Et également, je vais, comme je vous avais dit, vous montrer ce que j'ai reçu pour Noël. Vous avez vu que je suis allée chez Daman Frères à Paris, dans le premier arrondissement. La boutique était magnifique, je l'ai vloguée rapidement. Moi j'ai pris donc des infusions, parce que je ne prends que des infusions, j'évite la théine. J'ai vraiment pas envie de l'ouvrir, c'était pas donné, hein. C'est que des infusions. Si je me trompe pas, il y en a pour 35 euros. On va l'ouvrir ensemble. Ça fait des jolis cadeaux, hein, je trouve. Il y avait le même avec bas d'été, c'est tellement élégant. Donc boîte métallique rose et à l'intérieur, donc à ma cité, je me souviens plus, mais il y a 4 saveurs différentes. Je pense que dès que j'arrête cette vidéo, je vais m'en faire une petite. J'ai déjà qui tourne autour, petite lanière, un peu effet cuir. Il y a les infusions nuit à Versailles, il va y avoir des carrot cake, il m'intriguait pas mal. La série Happy Dreams et le rose, qu'est-ce que c'est? Ah, pas mal, celui-là est pas mal. C'est donc passion framboise. Donc ça, c'est mon cadeau pour moi. Je vous ai montré, je suis allée chez Bershka, toujours dans le premier, je crois. Ouais. Je me suis pris quoi? Je me suis pris deux paires de bottes très hautes. Limite, ouais, si, c'est cuissard. Regardez, je suis trop contente. Évidemment, je les ai essayées là-bas, mais vite fait, il y avait un monde. Et je les ai essayées rapidement en rentrant, et bah top. Top, j'ai pris taille 37 et j'ai bien fait parce que j'étais avec 36 et là, elle me sert quand même. Le modèle est comme ça, elles sont hyper confortables, donc elles sont pas hautes, hein. C'est un petit peu compensé. On va dire que c'est du simili cuir. Il y a une petite ouverture ici. Vous allez pouvoir voir comment ça rend. Donc par contre, moi je les ai pris, j'ai demandé en boutique, je dis est-ce que vous pensez que je pourrais mettre un jean, enfin un slim et tout. Il dit oui, oui, oui. Il dit bon, faut pas avoir des gros genoux, mais même je pense que ça va être juste avec des leggings et des collants, hein, parce que franchement, je pense pas que mon jean y passe. Là, voyez, j'ai juste une petite soquette. Enfin, je dis vous voyez, mais non, vous voyez pas. Attendez, je vais vous montrer après. Voilà, donc vous voyez, hein, ne faites pas attention derrière avec les câbles et tout. Elles sont hyper confortables. Je vous dis, le seul inconvénient, c'est pour les mettre. Ça peut être un peu pénible, mais je suis tellement bien dedans. Elles me plaisent beaucoup, ces petites bottes. Voilà. Et puis, elles sont pas hyper, hyper hautes. Je les mettrai dans des vlogs. Voilà. Je vais enchaîner avec la paire de chaussures que j'ai eues, enfin on peut même dire paire de bottes, que j'ai reçues. Je m'y attendais pas, mais pas du tout. Ce sont des Hugs. Je n'ai jamais eu de Hugs. J'ai déjà eu des effets Hugs, hein, que je mettais à la maison genre en mode chausson, mais là on est sur des vrais Hugs. Et en plus c'est très bien parce que c'est le type de modèle que je me serais moi-même acheter, c'est pas avec les petits nœuds derrière, les trucs, c'est vraiment, moi j'aime bien justement l'original, celle marron beige, classique quoi. Nous avons la grande boîte, j'ose pas les mettre, là j'ai failli les mettre hier, j'ai dit oh non 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 il pleut, je vais les allumer. Voilà, donc je vous disais, ce sont la mi-hauteur et c'est la couleur, je dirais, camel. Évidemment l'intérieur bah, c'est du doux, chez doux, chez doux. Hein. Taille 37 et ça c'est parfait. Bah, je vais les mettre. Ah oui, 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 oui. Oh. Et pour le coup là ça va. Pour les mettre, c'est plutôt pratique. J'adore. Bon, je sais pas si je vais pas vous montrer. Enfin, elles sont hyper sympathiques. J'adore. Je valide. Et surtout, je vais les garder pour le reste de la vidéo. Ça me tient chaud, c'est parfait. J'ai une carte cadeau dans une parfumerie, une heure pour soi, pour me faire plaisir. Et ça, je dis oui. J'ai reçu tellement joli. C'est une marque anglaise, une illustratrice donc, qui doit être très connue. C'est la marque, voilà, ça s'écrit comme ça. Je sais pas comment ça se prononce. Randell Design. Merde, mon vernis. Ça a gratté. Ah non, je suis pas contente. Oh là là, bon, il va falloir que je mette. Je vais essayer en mettant du dissolvant. Regardez, c'est que des illustrations comme ça. Apparemment, l'illustratrice, elle est fan d'animaux. Là, on est sur un petit lapinou tout mignon. Derrière, c'est comme ça. Oh, je suis dégoûtée, mais bon, ça, je pense que ça va partir. Je l'ai à peine frotté, le truc. Et regardez à l'intérieur. Donc, c'est un format, je pense, A7. C'est ligné. Avec toujours le petit motif. J'adore.
Très très bel objet. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a eu, Caro? On m'a demandé quel parfum je souhaiterais avoir. Et j'adore cette senteur, donc si vous voulez savoir comment je sens, eh bien moi, je mets toujours, mais toujours en échantillon, depuis le début, c'est des échantillons, j'ai jamais eu de parfum. C'est le Voce Vita, non, Voce, comment on dit, Voce Viva, c'est le dernier, c'est le, je vais y arriver, c'est le parfum de chez Valentino. Et regardez-moi cette merveille, le flacon carré, on est d'accord, qui est magnifique. Et là, à l'intérieur, il y a également la version, je pense, sac, c'est ça, hein. C'est hyper mignon, donc je suis trop contente. Je pense que je vais commencer par celui-là. Quand tu veux, il faut l'amorcer. Voilà, deux. Oh là là, j'adore cette odeur. Ensuite, j'ai eu cadeau de table, c'est-à-dire que c'est l'anniversaire. À Noël, tous les ans, ma maman, elle fait des petits cadeaux de table, c'est-à-dire un cadeau par invité. D'habitude, c'est un peu personnalisé. Là, elle a mis la même chose pour toutes les femmes. Et la même chose pour tous les garçons. Et nous, nous avons eu, franchement, c'est super mignon. Nous avons eu donc ces trois petits boules de Noël, on va dire. Des gels douche. Celui-ci, il est là-haut dans ma douche, je l'ai utilisé, c'est à la framboise. Ça sent très, très bon. Et regardez, surtout celui-ci, je ne veux pas l'utiliser. Oh, il est trop mignon. Ça va pas du tout. Ça focus ou pas? Oui, tu dis? Bon, bref, vous avez vu. C'est adorable. Adorable. Je n'ai jamais testé cette marque, j'en ai entendu parler évidemment. Un coffret de la marque Typologie, c'est de la cosmétique, hyper chic. Je ne vais pas acheter la boîte, ça c'est certain. Quand tu veux. Ah voilà, ici. À l'intérieur, on va avoir de l'hydrolat menthe poivrée, très beau format. Le sérum, attends, je le mets là je crois. Voilà, le sérum à base d'acide hyaluronique, super joli, regardez. Le format par rapport à l'hydrolat, comme ça. Tu les mets dans une salle de bain côte-côte, c'est magnifique. Et la crème hydratante pour le visage, très beau format. Il y avait également une trousse, il y a marqué « Je suis faite en coton recyclé ». C'est trop beau. Ceci, alors ça c'est pour Eric et moi. Un petit coffret trop mignon. Alors tout le monde a eu ça, donc tout le monde, tous ceux qui étaient à Noël. Des petites serviettes, on va dire, d'invités qui ont été faites, c'est nominatif. C'est joli, hein. Elles sont petites, mais tu vois, tu les mets comme ça sur un porte-serviette, c'est trop beau. Donc, Caroline et Eric. Et je trouve que les couleurs sont très chouettes. Il y a pas de... Ensuite, oh oui, trop mignon, regardez ce que j'ai eu. Quelqu'un qui me connaît, je vais essayer de pas le péter. Un petit chat, une figurine petit chaton. Et regardez de plus près, vous allez voir. Il a même des moustaches. Donc le petit bonnet doré, c'est adorable. Je vais le mettre évidemment en bas dans mon étagère où il y a pas mal d'éléments blancs, beige. J'ai l'impression que la lumière, elle est chelou, non? Qu'est-ce que j'ai eu? Je vous dis, j'ai eu du soin. C'est de la marque Guerlain et c'est la fameuse gamme Abeille Royale. J'ai eu donc le Bee Glow. C'est un hydratant jeunesse. On adore. Effet rosé du matin. Et si j'ai bien compris, j'ai regardé vite fait... c'est quelque chose que tu viens mettre après, en tout dernier, après ta crème de jour. Donc ça, je fais jamais. Ce soin perfecteur hydrate idéalement la peau et crée un fini ultra lumineux, frais comme la rosée du matin. La peau est lisse et rebondie, le visage paraît immédiatement plus jeune. Bah, adore. Appliquer après ou à la place de la crème. Ah quand même, ou à la place. Conseil d'application sur guerlain.com. Voilà, je ne l'ai pas ouvert. Ah non, j'ai pas terminé. Mais j'allais vous montrer les cadeaux d'Eric, c'est là-bas, mais je lui ai pris deux petits cadeaux que j'ai trouvé hyper sympa, qu'il a eu et assez original. Je vous montre. Ça, c'est pour Eric. Je trouvais ça tellement bien fait. C'est deux petites manettes de jeu en chocolat. Vous avez vu? Donc forcément, bah, il va les laisser en déco, il va pas les manger. Ça fait mal au cœur de les manger, parce qu'une fois que tu les as mangés, ça rime plus à rien. Le calendrier Star Wars 365 jours, qui va mettre évidemment, bah, il adore, sur son bureau, très grand. Hop. En fait, il l'avait déjà installé, je vous le dis, et je vais piquer pour vous le montrer. Et j'ai même commencé à regarder, il me fait non, il faut pas regarder, c'est surprise. On m'en vite fait un petit peu, quoi. Bon bah c'est carrément l'univers, hein, les Star Wars.
Je reviens parce que là-bas, il y a également deux, trois petites choses. Ça focus ou pas? Voilà, un kit lotion plus savon. C'est la marque Lalea et c'est du lait de chèvre frais et bio. Et c'est vrai qu'on sait que c'est très bon pour nettoyer la peau. C'est Made in France. Voilà, ça se présente comme ceci. Ça sent très bon, très très bon. J'ai eu une petite bougie également comme ceci qui sent très bon parce que elle n'est pas entêtante, elle est douce. Je déteste quand c'est trop capiteux et que ça a en tête. Et j'ai eu également un petit kit. Ah, attends, faut pas que ça bouge. Avec la bouillotte, chocolat chaud, mug, le kit complet. Elle est toute mignonne. Ouais, c'est ça, hein. Coffret cadeau, mug, bouillotte et chocolat. Voilà, les amis. C'est tout pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu, j'étais très gâtée. J'étais également très contente de me faire ces deux petits cadeaux. Ah, monsieur est revenu. Je vous fais un gros bisou et puis j'espère que vous avez passé également un bon réveillon, que vous avez été gâtés. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tu dis au revoir, Jackie ? Voilà. C'est un chat qui parle. Tu as faim ? Tu es beau garçon ? Tu es beau garçon ? Un petit peu, ça veut dire. Est-ce que tu aimes ta mère ? Comment tu aimes ta mère ? Beaucoup ? Bon, allez, ciao.